Coucou tout le monde, c'est Nana Beauty Fashion. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous présenter la marque qui arrive en force sur Sephora cette semaine, qui est la marque, roulement de tambour, Bite McGrath. Trop stylé. Du coup, c'est la marque Bite McGrath, si vous connaissez, je sais pas si vous connaissez, mais moi en tout cas, j'adore regarder ces packaging. Mais c'est un bijou. Trop beau, n'est-ce pas? Vous en pensez quoi? Je l'aurais qui me gratte. Mais c'est trop beau, ça c'est la palette, si jamais je me suis prise directement sur le site, donc moi j'ai pas attendu parce que je suis pas patiente. Donc j'ai pas attendu qu'elle sorte sur Sephora, d'ailleurs je savais même pas qu'elle sortait sur Sephora quand j'ai vu ça. Il y a deux semaines j'étais là, Pat McGrath arrive en France. Ouais, en Suisse vous pouvez toujours rêver pour qu'elle arrive de si tôt. Mais en plus si elle arrive en Suisse, j'imagine que le prix sera encore plus cher qu'en France et aux États-Unis. Mais donc moi je me suis pris cette palette qui est plus grande que mon visage. J'avais pris déjà, avant de me prendre la palette, j'avais déjà commandé deux rouges à lèvres. Mais regardez-moi ça, cette beauté divine. C'est pas trop beau? Regardez, c'est une bouche. Et en fait, quand vous ouvrez, je vais en poser un, quand vous ouvrez, c'est tout doré comme ça. Et en fait, regardez la bouche. Elle bouge pas. C'est trop stylé. Donc vous pouvez soit l'ouvrir comme ça, quoi, si vous voulez. Mais bon, je trouve ça plus ingénieux d'ouvrir comme ça. Oh, et après, vous mettez. Oh, trop stylé. Donc moi, j'ai pris la marque Omi. O-M-I. Si jamais. Et j'ai la marque 1995. C'est exact, qui se présente comme ceci. Trop beau, n'est-ce pas? Donc voilà mes couleurs, hein, des nudes. Et je m'étais procuré aussi le kit, le crayon à lèvres Done Undone, quelque chose comme ça. Ouais, Done Undone, qui se présente comme ceci, toujours mes couleurs. Et sachez que dans chaque kit crayon, il y a un taille crayon. Donc vu le prix, j'ai envie de dire merci Pat. Donc voilà. Et si vous vous demandez pourquoi là j'ai ça emballé, et ça emballé en fait c'est pour vous. Comme je vous avais dit, vous avez promis un concours pour mes 100 abonnés. Donc nous avons enfin atteint, nous sommes très précisément à 115 abonnés. Donc voilà, je remercie tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne, qui ont cliqué sur le petit bouton s'abonner. N'hésitez pas à continuer d'appuyer, de violer ce bouton. Et du coup, ben, je m'étais dit, j'avais d'autres produits à vous faire gagner, mais vu que Pat McGrath arrive en France et que je voulais vous faire une revue sur la marque du coup en direct pour la semaine qui arrive, et puis elle sort le 11 novembre je crois, donc c'est demain pour moi, mais quand je sortirai cette vidéo ce sera déjà sorti lundi. Du coup je voulais vous offrir ce rouge à lèvres qui est le 1995, qui est un rouge à lèvres mat, et je vais vous faire gagner également le Done Undone crayon à lèvres et le taille crayon du coup. Donc je vais pas les ouvrir, donc voilà, mais vous les verrez sur moi, donc je vais poser ça juste là. Donc voilà, j'espère que ça vous fait plaisir. Si jamais, n'hésitez pas à rester branché jusqu'à la fin, je vous donnerai toute la liste pour participer au concours, et je pêcherai le gagnant de, je sais pas, dans 2-3 semaines. Non, je regarde. Dans 2 semaines je pense, le temps de vous laisser participer et tout, et ce sera ouvert à la Suisse et à la France si jamais. Donc voilà, si jamais, avant de commencer cette vidéo, j'ai mis mon labello que vous connaissez, mon amour pour la marque Carmex si jamais. Mais lui c'est une édition limitée, c'est Sugar Plum. Je suis pas trop fan du coup, je trouve que ça fait un peu petite fille, mais bon c'est pas grave. L'effet est là. Je vous ai dit, un jour je vais vous faire là un tuto Asmr Challenge. Donc enfin voilà. La palette elle se présente comme ceci, et moi j'ai pris la... Très bonne question, comment elle s'appelle? Mother of je sais pas quoi, attendez, peut-être que c'est marqué. Et regardez-moi ça, la beauté divine. Vous tirez comme ça sur le truc. Oh, c'est magnifique. Tout a été dépensé. Moi je vais le garder dans le package, hein, je trouve ça trop beau. Je sais que ça va, ça va pas faire à tout le monde, mais moi franchement je trouve ça divin. Enfin bref, et vous ouvrez comme ça. Et la palette qui se présente comme ceci, à l'intérieur. C'est un peu effet... laqué si vous voulez, vernis un peu, mais le truc il pèse genre une tonne. C'est marqué Pat McGrath ici, et c'est la Mothership. Là c'est tout doré parce que ouais, la marque Pat McGrath c'est très noir or comme vous pourrez le constater. Oh, mais c'est trop beau. Mais elle est lourde, hein, si jamais elle ne partait pas en vacances avec. Vous êtes prêts? Attends, faut pas salir ce magnifique miroir. Oh, mais c'est... Vous avez vu la taille des pannes?
Donc voilà, vous avez un huge miroir. Vous avez hyper épais. Vous savez, les miroirs trop épais. Trop beau. Et vous avez à l'intérieur 9 phares. Je sais bien compter. Non, attendez. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 phares. Autant pour moi. Je ne sais pas compter. Il faut donc que je me fasse virer. Donc enfin bref. Pardon. Donc, y a les phares se présentent comme ceci. Ça paraît quelqu'un, mais pardon, ça fait longtemps que je n'ai pas filmé. Donc vous avez un peu nacré blanc ici. Là vous avez un somptueux. C'est un peu un. Pas, c'est même pas un duochrome, c'est un triochrome. On va appeler ça comme ça. Il peut être saumon. Regardez, là il est saumon. Là il est vert. Et quand vous le regardez sous un autre angle, il a des paillettes bleu-violet. Mais c'est juste. Ah, vous voyez là. Là c'est violet-bleu. Ouais, violet-bleu. Non. Mais je suis trompée de phare. Attendez. Mais je vous jure, il a des paillettes. Attendez. Mais j'arrive pas à. Regardez, là c'est. Vous voyez vert. Là vous voyez saumon et je vous jure sur un certain angle vous voyez des mini nacres violet bleu. Ensuite vous avez ici un peu saumon nacre. Là vous avez un rouge orangé, je sais pas trop comment vous appelez cette couleur. Un marron normal foncé. Là vous avez un mordoré. Ici vous avez un taupe, là vous avez un cut crease un peu plus clair que celui-là, donc c'est un peu pour le nude quoi. Là vous avez un beige nacré et là vous avez un plum un peu aubergine. Donc voilà. Bon après ils ont pas de nom les phares, mais bon moi ça me dérange pas. Je sais qu'il y a des gens ça les aide quand il y a pas, quand les phares ont pas de nom, mais bon si vous maquillez de façon anonyme on va dire c'est comme ça, bah vous avez pas forcément besoin d'avoir des noms pour les palettes et pour les phares, donc voilà. Mais c'est tellement beau, j'ose même pas l'utiliser, tellement c'est magnifique. Oh, j'ai bientôt plus de batterie, je t'avoue, je dois changer la batterie, j'arrive. Donc pour commencer, je vais venir appliquer mon fard à paupières avec un pinceau de chez Morphe qui est le GS5, qui est en collaboration avec le youtubeur Jeffrey Star. Je dois vous avouer que je sais pas du tout encore ce que je vais faire, mais je vais commencer par ce fard qui est le nude. Et on va voir ce que ça vaut. Alors c'est un peu poudreux, mais bon moi je vous ai dit ça ne me dérange pas. Et c'est parti. Ah, j'ai pas mis de base. Mon dieu, alors je vous ai dit ça fait mille ans que j'ai pas de. Bon, on va pas trop encore, c'est pas très grave. Je vais venir prendre la base de chat, ça c'est Beverly Hills, qui est la eye primer. Mais par contre je l'ai déjà utilisée, mais faites gaffe parce qu'en fait je sais pas si c'est normal, mais moi la mienne elle coule. Du coup c'est hyper chaud, on va dire de doser le bon dosage. Donc hop, j'en applique sur toute ma paupière mobile, mais elle est pas mal, c'est pas la première fois que je la teste, elle est pas mal, j'aime bien, mais il faut en mettre vraiment un tout petit peu sinon ça vous fait franchement la paupière trop blanche. Après personnellement je trouve ça pas joli, mais vous faites ce que vous voulez, bien sûr, be my guest. Donc voilà. Et après, comme je le dis, on va venir prendre le fard de transition. Et je vais venir me l'appliquer dans le creux. Mais moi, je suis trop contente qu'elle débarque en France. Mais je savais pas en plus qui c'est avec elle débarquer en France cette marque. Moi, je la connais depuis. Je l'ai connue quand? Il y a 2 ans, je crois. Je sais plus comment. Mais bon, moi, je suis une petite fouine. J'aime bien aller chiner des trucs sur internet et tout. Je n'attends pas que les choses viennent à moi, je vais aux choses. Du coup voilà, j'avais acheté le. J'avais commencé par le rouge à lèvres, parce qu'à l'époque où j'ai connu la marque, il n'y avait pas encore de palette, il y avait des pigments pressés, mais il n'y avait pas encore de palette. Et là je sais qu'à la sortie des fonds de teint, apparemment ils sont bien. Mais vu que moi j'ai encore mon Dior. Backstage et que j'aime pas trop ouvrir 150 choses à la fois, et ben on va attendre de finir celui-là. Mais apparemment elle est bien. Enfin il est bien, pardon, le fond de teint. Bah après c'est un peu galère de se maquiller avec cette palette parce que j'ai peur de frapper la palette. Mais bon. Maintenant. Donc oui, il faut savoir que Pat McGrath c'est une.
c'est une maquilleuse pro en fait de base, comme Natasha Denona. Et du coup, ben, elle sait faire des bons fards quoi. Vu que cette maquilleuse, elle sait ce qu'elle veut et ce qu'elle veut pas, ce qui doit marcher dans un fard à paupières, etc. Elle est honnêtement très pigmentée. Ça s'estompe facilement pour le moment. Mais moi, je sais pas ce que je vais faire. J'aimerais bien faire un truc un peu magazine, vous savez, mais on verra, on verra. Tu verras, tu verras. Voilà. Ce que l'on a pour le moment, rien de transcendant. Vous allez me dire, ça casse pas trois pattes dans un canard. Mais patience, les amis, patience. Ça me fait rappeler La Belle au Bois Dormant. Enfin, Maléfique. Je suis allée le voir d'ailleurs au ciné il y a 3 semaines. Ouais, 3 semaines. Et franchement, il est super bien, j'ai bien aimé. Des fois, c'est un peu tiré en longueur, mais j'ai bien aimé dans l'ensemble. Et je suis aussi allée voir le Joker avec deux amis, mais trop stylé. Mais alors, il y en a un, deux qui a pas aimé. Mais bon, il s'est endormi à la moitié du film, il voulait même partir. Il me regarde, il me fait ouais, bon, moi je vous attends dehors. Je t'en ai toute ma gueule ou. Tu vas rester là tout de suite? Et genre, hier, il nous dit. Ouais, en fait, j'en ai parlé avec des amis qui l'ont vu et en fait, j'aime bien. Prends-nous pour des pigeons, ouais. Enfin, il va être ravi de voir que je parle de lui comme ça. Mais bon, bref. Ensuite, ce que je voulais. Mais moi, j'ai trop aimé le Joker. Après, faut pas vous attendre à ce que ce soit un film d'action à la style Batman et tout. De là, si vous partez dans cette optique, effectivement, vous allez détester. Mais c'est hyper psychologique et tout. Moi, j'ai trop adoré. Vous connaissez là pourquoi le Joker est devenu Joker, pourquoi il est devenu méchant et tout, il est franchement trop aussi. Je vais venir prendre le pinceau de Sephora en collaboration avec Salanas qui est le S7, mais bon, franchement, un sketch ce lunch de palette pour je sais pas combien. Je vais venir prendre le plum là, mais quoi que c'est pas trop le bon pinceau pour. Ben bon, bah, allez, on va essayer. Ouais, un sketch ce lunch, franchement. La palette elle devait sortir le je sais plus combien du je sais plus combien quel mois à 18h. J'étais en ligne à 18h. C'était déjà sold out. J'ai pas compris. Et ça a pas arrêté pendant toute la soirée de revenir en ligne, de repartir enfin in sale, sold out, in sale, sold out, j'étais bref, et après ils se sont justifiés. Ouais, mais parce qu'en fait, on a allé regarder qui c'est qui en avait plus, blablabla, je sais pas quoi. À la toute fin, vers genre 23h, j'ai réussi à le commander, donc j'ai passé ma commande, etc. Parce que moi, de base, je voulais le grand kit. Et j'ai dû me rabattre sur le petit kit finalement. Mais je voulais le grand kit, avec les 12 pinceaux, je crois. Et sold out, j'étais là, ok. 23h, j'arrive enfin. À le commander, le mettre dans mon panier, etc. etc. Je reçois la notif, ouais, nous avons reçu votre commande, machin, nous la préparons et tout. 3 jours après, hein, je rigole pas, hein, 3 jours après, je reçois un mail. Désolé, mais le produit que vous avez commandé est sold out, donc vous pouvez pas l'avoir, on va vous rembourser. Et pour se faire pardonner, on vous offre la prochaine livraison gratuite. Je suis une gold, donc toutes mes livraisons sont gratuites. Donc j'avais envie de leur dire, non mais franchement, vous prenez vraiment les gens pour des pigeons. Bref, j'ai pas capté quoi. Après, elle fait un meet-up à Rouen. Et elle... Et genre, ils ont remis du stock, mais que dans le Sephora de Rouen. Genre, c'est vrai que... Encore si c'était au Sephora des Champs-Élysées, je me serais dit ouais bon c'est logique, c'est le Sephora, un des Sephora le plus grand du monde, je sais pas quoi, machin, non. Il y a beaucoup de passages, je sais pas quoi, ok. Mais à Rouen, sérieux. Bref. Du coup j'avais fait mon petit sondage, j'avais demandé aux gens autour de moi, est-ce que quelqu'un de Rouen par hasard ou des alentours. Et bref, j'ai même pas pu, bref ça m'a gonflé. Donc finalement j'ai acheté le petit kit, la petite trousse avec... 1, 2, 3, 4, 5 avec 5 pinceaux. Mais bon, je suis un peu déçue, je dois vous dire. Non, enfin, et pourtant, vous savez à quel point j'adore cette youtubeuse. Franchement, je me cache pas, je l'adore, mais pff, là, j'ai pas capté quoi. J'ai pas capté. Après, ils disent oui, hein, on savait pas que ça allait faire autant de.
que ça allait partir aussi vite. Oui, bah bon, si à 18h il était déjà sold out, c'est qu'il, je sais pas, il y a un problème, quoi. Et ouais, il devait être en lit dans les magasins, dont Val d'Or, qui est à côté de chez moi. Enfin, à côté, entendons-nous, à 30 minutes de voiture. Et il n'y avait plus un, j'appelle le matin à 9h. Ouais, on peut pas mettre de côté, désolé. J'y vais le soir pour 17h, quoi, 18h. Ouais, non, on est désolé, on en a plus. Vous en avez quoi, 3 de kit ou enfin, bref, ça m'a gonflé. Et ouais, encore une fois, je vous répète, j'adore Sana, mais là, franchement, c'était pas du tout bien géré, les stocks, pas du tout. Ou alors, je sais pas, ils ont... Bref, je sais pas. Et ouais, le stock qui apparaît 2 mois après, à Rouen, et sans commentaire. Sans commentaire. Donc voilà ce que l'on a pour le moment. Et ensuite, j'aimerais trop mettre lui, là. Ou lui. Je mets lui. Allez, on va mettre lui, mais je vais venir cutter mon cuisse. Vous savez que c'est ma patte, hein. J'adore cutter le cuisse. Je vais venir prendre le pinceau de Sana qui est le S9 et ma base P. Louise comme toujours. Je vais en mettre sur le petit dos de ma main. Non, j'en ai bientôt plus, faudra que je me le recommande. J'ai vachement commandé ces dents-ci, alors... Il y a mon père qui réceptionne mes colis. Bah le pauvre, bientôt il va finir par me dire de me trouver une autre adresse. N'est-ce pas papa? Donc voilà, on quête le cuisse, on ouvre la paupère, on regarde où ça fait. Et on vient remonter la matière. Et oui, il faut que je vous raconte ma catastrophe nucléaire qui m'est arrivée en Corse. Vous savez, je devais partir en Corse depuis ce moment-là que vous n'avez plus jamais revu. D'ailleurs, merci pour ceux qui se sont inquiétés et qui m'ont demandé où j'étais passée. Non, vous inquiétez pas, j'étais toujours vivante, c'est juste que j'ai eu des problèmes. Irruption cutanée. Mais quand je vous dis irruption cutanée, mais du jour au lendemain, je me suis levée. Sur le... Oh mon Dieu, c'était horrible. Horrible. Du coup, j'ai pas compris si c'était le temps. J'ai pas compris si c'était ma crème solaire, mais pourtant je l'avais déjà utilisée, donc je trouve ça bizarre. Ou si c'était le nettoyant que je m'étais acheté de chez Garnier. Mais attendez, deux secondes, je me concentre. Je disais, pardon pour ce moment, mais je devrais vraiment me concentrer. Ouais, je sais pas si c'était. J'ai acheté un nettoyant que ma soeur m'avait conseillé. Je ne te remercie pas du coup. Bon, ça a marché sur elle, donc ça veut rien dire. Mais moi, ma peau, c'est vrai qu'elle est très sensible. Donc voilà, je suis peut-être pas un exemple, mais. Garnier là, le gommage 3 en 1, je sais pas quoi, je l'ai jeté, je peux pas vous le montrer parce que je l'ai jeté directement quand j'étais sur place en Corse. Mais un truc de dingue. Allez, je vais venir prendre avec le doigt le fard là, saumon. Je l'ai jeté sur place, mais franchement il m'est arrivé de ces trucs en Corse. Franchement, autant j'ai adoré le pays, l'endroit et tout, les plages trop jolies et tout, ce qu'on a fait machin et tout, mais franchement. Bah déjà irruption cutanée, mais franchement des boutons dégueulasses, genre avec du pu et tout, hein, horrible. Je me suis chopé une otite externe là, ça fait trop mal. Chaque fois que je dormais sur mon oreille, bah ça me tuait l'oreille. Et moi je dors toujours du côté droit, donc je vous laisse pas expliquer la galère pour dormir. Et je me suis levée une fois, je sais pas moi c'était 4h du mat, 3h par là. Avec la bouche enflée, un truc de ma lèvre là, inférieure, elle a quadruplé. Vous avez déjà vu Itch quand il fait sa réaction allergique là? Et ben c'était ma lèvre inférieure, horrible, une big boule là. Mais après je pense que c'était parce que l'eau était trop salée à la plage, parce qu'on bouche dans les plages, on n'allait jamais deux fois dans la même plage. Oh, mais il est trop beau ce phare. Waouh. J'espère que vous verrez à la caméra, parce que des fois je m'extasie si vous voyez pas. Donc
Ouais, l'eau, on restait jamais dans la même plage et tout. Et après, le seul inconvénient que j'ai trouvé dans les plages Corse, c'est que vu que c'est des plages sauvages la plupart du temps, bah en fait, vous avez pas de... Purée, c'est trop beau. Vous avez pas de... De douche, vous savez, pour enlever l'eau salée et tout. Du coup, bah moi, je pense que mes lèvres, elles en ont pris cher. Parce que je restais pas mal longtemps dans l'eau ce jour-là. Et purée, je me lève. C'est-à-dire que, dites-moi, vous, je me suis levée parce que je sentais qu'il y avait un truc bizarre qui se passait dans ma bouche, quoi. Enfin, sur ma bouche. Et je me lève, je vais dans la salle de bain pour voir c'est quoi le délire. Purée, je vois ça, je dis, mais what the F? Je dis, mais pourquoi, Seigneur, pourquoi? Comment se fait-il que les meilleures choses arrivent aux gens les plus bons? Et du coup, ben... Je me lève le matin et tout, je vais voir mon beau-frère et ma soeur dans leur chambre parce qu'on avait un petit bungalow, puis du coup moi j'étais dans ma chambre et eux ils avaient une chambre pour eux. Et je leur dis, ouais les gars, je crois que, je sais pas, on m'a porté l'œil ou j'en sais rien, c'est quoi le délire? Puis je cachais, c'est-à-dire que je me mordais comme ça pour pas qu'on, pour avaler la, enfin cacher la boule là que j'avais d'inflammation. Puis ils me disent, ouais pourquoi? Je leur dis, ouais, j'ai la lèvre enflée. Puis ils me regardent, ils me font, bah t'abuses et tout, on voit rien du tout, nanana. Et j'enlève ma dent et ils font, oh! Et je t'arrive, mais vous savez que je me moquais de vous ou quoi? Et là, mais mon dieu, après, bon, bah ça a désenflé au fur et à mesure de la journée, mais je vous jure, je dis, mais c'est quoi le délire, quoi? Otite, lèvres enflées, et irruption cutanée, un truc de déglingo. Après, j'appelle ma dermato en panique, hein. Je lui dis, ouais, il faut absolument que. Mais je suis en amour. Purée, c'est trop beau. Magnifique. Et j'appelle ma dermato en urgence. Et je lui dis, hein, c'est urgent et tout, machin, j'ai une éruption cutanée, blablabla. Il faut absolument que vous me preniez. Je rentrais quand j'étais rentrée le 17. Il faut absolument que vous me preniez le 18 et tout. 18 août. Oui, alors on n'a pas de place avant le. De quoi elle m'a sorti, je sais pas, le 13 octobre. Je suis au en fait, vous avez compris que c'était une urgence ou hein? Oui, mais on n'a pas de place, blabla. Bref, je raccroche, je fais bon, ok, merci, j'en ai pas besoin. Du coup, je redemande, je vais demander à un ami à moi, je vais venir prendre ce phare là et le mettre au centre, on va voir ce que ça donne. Et il est moins smooth celui-là, mais je pense parce qu'il y avait des paillettes, comme je vous l'ai dit. Oh punaise, mais ma... Wouhou! Oh purée, c'est trop beau. Oh. Vous voyez quelque chose? Mais j'espère que vous voyez, parce que sinon, franchement, croyez-moi sur parole, je vous jure. Oh purée, c'est trop beau. Oh, oh la dimension, c'est trop beau. Donc ouais, je demande à un ami à moi qui m'a déjà parlé de sa dermato et tout, je sais pas quoi, comme quoi elle était bien. Je lui demande son numéro et tout, je prends rendez-vous, elle m'accepte justement le... Je crois 2 jours après que je sois rentrée. Je suis rentrée moi le dimanche et elle m'a accepté pour le mercredi matin. Je vais vers elle et tout, puis elle me dit, oui, est-ce que vous avez des problèmes? Enfin, vous prenez des hormones? Non, je prends pas d'hormones. Enfin bref, elle m'a gonflé, mais ils sont inutiles les dermatologues. Ah, je vous ai dit, franchement, useless. J'ai bien envie de tester lui aussi. Allez, soyons fous. Waouh. Non mais franchement c'est magnifique. Oh. Mais c'est trop beau. C'est trop beau. Vous comprenez maintenant pourquoi j'ai pas fait mon temps, j'ai des paillettes jusque là. Oh mais c'est magnifique. Oh, mais Pat, épouse-moi. Trop beau. Voilà. Donc, on va venir enlever tout ça. Voilà, j'en ai profité pour faire mon temps en caméra parce que bon, vous m'avez déjà vu faire des dizaines de fois et puis je trouve pas ça très intéressant, je trouve ça redondant et répétitif. Donc comme concealer, toujours le Fenty Pure Beauty dans la teinte 230, mon fond de teint chouchou, c'est le Dior Backstage dans la teinte 2WO, poudre Fenty de la banana, je vais éviter de la bouger trop parce que vous m'avez déjà vu faire une catastrophe avec, et pour
appliquer la poudre, je suis venue prendre le pinceau S1. J'ai un mec qui est pas mal grand et puis du coup il était pas mal, mais je sais même pas si on peut trouver le kit, c'est un peu chiant. Et je suis venue faire aussi mes sourcils hors caméra. J'ai utilisé le Precise Lima Blue dans la teinte 4 que j'adore, avec en combo le gel à sourcils Cap Brow de chez Kylie dans la teinte cuir. Il n'y a pas de couleur. Et si jamais, en parlant de Kylie, elle fait 30% sur sa collection Holiday. Donc je vous ai déjà fait un make-up qui s'appelait Mermaid Mama et je vous raconte ma vie avec les gentlemen et tout et tout. Donc n'hésitez pas à aller checker, ou si jamais je vous les listerai en fin de vidéo. Mascara, je vais venir vous faire une revue dans une autre vidéo sur le Big or Go Home de Kat Von D. Donc restez branchés. Donc on va continuer avec le temps. Il y a des nouveautés qui sont sorties chez Tarte. Si jamais c'est un kit de 3, moi le troisième je l'ai dans ma coiffeuse, parce que je vais vous le faire gagner également. Donc c'est celui qui est noir, qui est un peu dans les teintes rosées et tout. Et moi vous savez que j'aime pas trop les blushs roses, donc je vais vous le faire gagner. Mais ce que j'adore, c'est le Snow Kissed Price à Snow Kiss. Ah ok. Alors vous avez un highlight qui s'appelle Snow Kisses. Ensuite vous avez un blush quand vous twistez qui s'appelle Price. Et là vous avez Peppermint Mocha qui est un bronzer un peu. Vous pouvez l'utiliser en blush, mais ça ne me dérangerait pas. Et le doré, c'est Frosty. Comme ceci. Vous avez Slay Bells comme ceci, et vous avez le Shimmering juste là. Et moi franchement c'est le kit que je préfère, sans tout casser, qui se présente comme ceci quand vous l'ouvrez. Et si jamais, il est vendu directement chez Sephora si vous voulez, ou alors il est vendu, moi je l'ai commandé sur Tarte parce qu'il y avait plus, c'était sold out sur Sephora en ligne et en magasin à côté de chez moi. Donc voilà comment ça se présente. Je trouve trop beau. Je vais éviter d'ouvrir l'autre parce que ce sera pour vous. Donc voilà. Mais franchement, trop beau. Donc ce qu'on va faire, c'est que... En plus, ouais, il coûte pas très cher hein, pour 9 blushs et 2, enfin 2, 4, 6, 6 blushs. 6 blushs et 3 highlights. Franchement, super joli. Donc ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir utiliser celui qui est un peu rose gold. Je vais venir prendre le bronzer blush. Et je vais venir l'appliquer en bronzer. On va venir continuer les yeux aussi, même. Chaque chose en tourne son temps. Donc j'ai en prélevé un peu sur mon pinceau. C'est un peu poudreux. Jamais utilisé, donc j'espère que ça va pas être une cata. Donc oui, je vous dis ça, franchement, les dermatos useless quoi. Donc je suis retournée voir ma dermato, genre un mois après. Et elle m'a prescrit le cure acné, qui est un générique du Roaccutane, je sais pas si vous connaissez, mais c'est assez connu. Alors c'est très polyméqué, bla, polyméqué ça se dit. Enfin bref, il y a vachement polyméqué à ce sujet, machin, c'est dangereux, c'est blablabla, c'est blabla. Donc je vais pas m'attarder trop sur le sujet, à part si vous voulez que je vous en parle. Donc je ferai une vidéo dédiée à ce sujet si vous le voulez, il n'y a pas de souci. Mais là on va éviter parce que c'est pas le sujet de la vidéo. Mais sachez que je suis sous Roaccutane du coup pour lutter contre ces boutons. Mais il est joli ce bronzer. Ça a rehaussé le teint. Mais c'est pas maintenant là, c'est leur challenge, Nada, qu'est-ce que tu dis? On va estomper ça parce que bon, faut pas déconner, faut pas que ça fasse cracra non plus, hein. Parce que des fois je vois des filles, franchement, c'est joli de faire du contouring et tout, mais arrêtez de déconner quoi. Enfin, des fois, franchement, ça fait sale quoi. Je comprends pas les gens, des fois j'ai envie de dire, vous avez pas de famille, d'amis qui vous disent que c'est pas joli. Surtout ceux qui passent à la télé et tout, franchement, j'ai envie de leur dire, mais je sais pas, vous voyez pas ou vous êtes aveugle. Enfin bref, moi je déteste quand c'est trop, quand on passe ça fait moche quoi. Enfin bref, ce n'est que mon humble opinion. Ensuite je vais venir prendre ce highlight juste là avec un pinceau de chez Morphe.
Bah après je vous mens pas, je l'ai déjà testé celui-là. Et honnêtement, j'ai pas trop vu de glou. Bof quoi. Donc je sais pas. Je déconne pas. Enfin après si vous aimez, genre je pense que ma grande soeur elle pourrait kiffer. Parce qu'elle aime pas trop le highlight de... Oui, non, non, s'il te plaît, s'il vous plaît, ne le jetez pas la peur, c'est pas de sa faute. Elle vit dans l'ignorance. Donc peut-être qu'elle pourrait aimer, mais moi franchement... J'aime pas l'effet boule à facette, mais là... Je sais pas, je trouve que c'est trop subtil. Donc voilà, j'aime pas trop le highlight personnellement. Là, j'ai pas testé l'eau, donc je sais pas vous en dire plus, mais elle... Bof. J'aime pas trop. Comme vous l'aurez... constater. Ensuite, je vais venir prendre celui... Je vais venir prendre lequel? Je vais bien prendre lui, mais il est... Ouais, allez, on vivons dangereusement. Je vais venir prendre lui, là. Celui-là, juste là. Qui s'appelle, du coup, Shimmering, qui est un blush pailleté, comme son nom l'indique. Donc, voilà, c'est... si vous voulez l'utiliser en... Wouhou! En... par-dessus votre blush pour rendre un effet lumineux et pas mettre de highlight, bah vous pouvez, ça va faire hyper glowy. Donc voilà, et vous voyez là, c'est pigmenté que j'aime bien. N'hésitez pas à mettre plus de blush que autre chose, parce que c'est la première chose qui va partir sur votre teint si jamais. Oui, je mets de ça. Bah c'est un miroir ou c'est pas un miroir? On fait avec ce qu'on peut. D'ailleurs, faut que je refasse mon... J'organise mon système de... de vidéos, parce que j'ai reçu de la part de mes frères et sœurs et de leur mari pour mon anniversaire le miroir Riki. Il est juste là, vous pouvez le voir. Et faut que j'installe ça pour voir. Mais, merci du coup, ça est trop gentil, ça me fait trop plaisir. Mais ne croyez pas que je l'aime pas, je vous jure, je l'adore, mais c'est juste que je dois organiser mieux le... Je dois organiser pour voir comment je peux le mettre pour m'en servir. Ensuite, on va venir faire le rat de cils. Du coup, je vais venir prendre celui-ci, le marron foncé. Elle est trop belle cette palette, j'adore, je suis fan. Si vous hésitez, que vous comptiez sur moi pour ne pas vous la procurer, pour que je vous dise qu'elle est pas belle. Désolée, je ne peux pas faire ça, même sur la torture. Donc voilà, voilà. Donc ouais, je vous disais, c'est bouton franchement, donc c'est pour ça que je m'étais absentée pendant... Je me suis pas maquillée après des tout, je me suis pas maquillée. La dernière fois que je me suis maquillée, c'était fin juillet, début août. Après, bah, je suis partie en Corse, je me suis pas maquillée là-bas. Et après, j'ai eu cette éruption cutanée. La dernière fois que je me suis maquillée, c'était il y a 2 semaines et tout. Et on est en novembre, donc c'était pour mes looks Halloween. D'ailleurs, si vous avez pas vu, même si on n'est plus à Halloween, c'est bientôt l'escalade à Genève, donc... si vous voulez devenir un squelette ou bien moitié joker, moitié femme, et ben n'hésitez pas à aller la voir. J'aime beaucoup comment ça joue. Après je préfère le squelette parce que c'est plus ma... C'est plus mon délire, mais le joker j'ai adoré d'ailleurs. Et franchement honnêtement, pas pour me lancer des fleurs, mais je fais super bien le rire du joker. Je vais venir estomper avec ce fard juste là qu'on avait mis dans le creux. Je vous jure, il faut que j'aille voir l'ophtalmo pour ces trucs jaunes là. J'ai 2 taches jaunes dans l'œil. Je sais pas ce que c'est, ça fait flipper. Ah mon œil, je me la suis mise dans l'œil. S'il vous plaît, si vous savez d'où ça vient cette référence, n'hésitez pas à écrire en barre d'infos. Seuls les vrais savent, c'est Friends si jamais. Je vais venir prendre le marron des crayons de chez Colourpop et je vais venir le mettre en muqueuse. D'ailleurs, ils ont pris cher ces crayons pendant Halloween. Bon, j'espère que je vais aimer le mascara de chez Kat Von D, parce que sinon ça va me gâcher mon look. Je dis ça, je dirais. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais venir finir par les lèvres et après je reviendrai pour la conclusion. Mais je vais venir prendre du coup le crayon à lèvres
Don and Don qui est un muted mute quoi. Voilà. Et après, j'hésite, je sais pas si je mets le Omi ou si je mets le 1995. J'ai bien envie de mettre le Omi. Le 1995, je le connais. Donc le Omi, je l'ai jamais vu. Je l'ai juste swatché sur ma main et je m'inquiétais un peu de. Après, je trouve qu'ils sont plus foncés que. Enfin, sur le site, on n'arrive pas trop à se rendre compte de. Mais après, par contre, ils sont mat. Genre, ça vous décape les lèvres. Hein. Donc, si vous avez les lèvres sèches. Je sais pas, moi, mettez du baume à lèvres en dessous. Il est plus foncé que ce que je pensais. Comme je vous l'ai dit, on n'avait pas trop à se rendre compte. En fait, si vous êtes familier avec les Bullet Lipstick, je crois, de Huda Beauty, c'est la même texture. Et MAC, j'ai mélangé du coup avec l'autre. Et MAC aussi, ils ont des rouges à lèvres de cette texture, c'est la même. Voilà ce que l'on a au niveau du look sans le mascara. C'est de, je sais pas, moi de vous imaginer avec du mascara. Mais j'aime tellement. C'est trop beau. Franchement, je suis fan. Donc, je vous recommande à 10 000% cette palette. Franchement, si je vous répète, c'est la Mothership. Il y en a plusieurs sur le site. Donc, je pense qu'il y en a plusieurs qui vont sortir également sur, sur Sephora. Elle coûte une centaine de dollars, je crois. Vous avez différents à l'intérieur. Mais moi, je crois que je vais aller voir les autres. Palette en magasin, puis peut-être que je craquerai pour une autre, mais bon, c'est pas sûr parce que voilà, c'est quand même cher et que j'ai quand même pas mal de make-up. Les rouges à lèvres, j'adore aussi, je les trouve trop beaux et le crayon magnifique. Du coup, je vais aller mettre mon mascara hors caméra et je reviens. Voilà, je suis de retour après avoir appliqué mon mascara de chez Kat Von D, le Go Big Go Home. Donc, si vous voulez savoir mon opinion sur ce mascara, n'hésitez pas à aller checker sur ma chaîne. Il sera, la vidéo normalement sera avant ce tuto. Mais franchement, je trouve le maquillage tellement beau. En plus, pour les fêtes qui arrivent, je trouve ça super beau. Si vous avez, je sais pas moi, pour Noël, pour le Nouvel An et tout ça. Alors, je sais que c'est un peu trop tôt pour parler de ça. Mais bon, ils ont déjà sorti les sapins et les décorations de Noël. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je me mets dans le thème. Si jamais, ben. Sinon, en plus, j'adore ma robe. Si jamais c'est une robe avec des petites fleurs. Donc, je trouve ça trop beau. Ça fait très festif. Donc, voilà, moi, franchement, j'aime trop le look final. Je sais pas ce que vous, vous en pensez, mais moi, j'aime trop. Donc, je vous recommande à 100% la marque Pat McGrath. Donc, n'hésitez pas à aller checker sur Sephora. Elle sera en ligne dès le lundi 11 novembre à midi ou 10h. Je m'en rappelle plus, mais en tout cas, c'est le 11 novembre. N'hésitez pas à me taguer sur vos photos si vous achetez, si vous craquez. Ça me fait plaisir d'aller liker vos vidéos. S'il vous plaît, abonnez-vous en cliquant sur le bouton juste là pour agrandir la famille. Et n'oubliez pas, les règles de concours, c'est être abonné à ma chaîne. Attention, je vérifie. C'est liker la vidéo, s'il vous plaît. Mettre un concours en barre de commentaires pour me dire que vous participez. Vous me dites ce que vous voulez. Vous me dites coucou Nada, je participe à ton concours. Merci pour ce magnifique concours sponsorisé par moi. Et donc oui, likez, être abonné à ma chaîne, laissez un commentaire en barre d'infos. C'est ouvert à la France et à la Suisse. Donc n'hésitez pas à vous abonner ou quoi si c'est pas encore fait. Parce que je fais ça vraiment que pour mes abonnés et les gens qui me supportent et qui me soutiennent depuis le début de ma chaîne.
Et si jamais le concours s'arrêtera, on va dire le dimanche 1er décembre, j'annoncerai le gagnant sous cette vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez remporter. Je vous répète que vous pouvez gagner dans cette vidéo le rouge à lèvres mat 1925 et son crayon qui va parfaitement bien avec, et un taille crayon qui est le Done Undone. Donc voilà, ce petit kit est à vous. Alors, il y aura une chanceuse ou un chanceux si vous voulez participer, que vous êtes un mec et que vous voulez offrir à votre copine, votre femme, peu importe. N'hésitez pas, ça me ferait super plaisir, je vous enverrai avec un petit mot. Le paquet, vous devez être majeur du coup, j'ai oublié. Mais si jamais je laisserai toutes les conditions en barre d'infos, mais vous devez être majeur ou avoir l'accord de vos parents, parce que je vais devoir vous envoyer les produits chez vous. Donc voilà. Et si jamais je termine avec mes bijoux comme d'habitude. Mes somptueuses bagues, franchement trop belles. J'aimerais bien être sponsorisée par APM, mais malheureusement ce n'est pas encore le cas. Donc c'est deux bagues en fait, si vous voulez, qui sont les mêmes, que vous pouvez mettre là si vous voulez, vous voyez. Vous pouvez la mettre comme ça. Bon, pas celle-ci parce que celle-ci je l'ai prise plus petite, mais celle-ci je l'ai prise plus grande pour pouvoir la porter également comme ceci. Donc c'est nacré, donc nacré blanc et nacré noir. Donc moi, vu qu'elle est plus grande, je la mets comme ça et en fait je vais enfermer pour pas qu'elle tombe avec elle. Ouais, je sais, APM, si vous voulez m'engager pour vos designs, n'hésitez pas. Nana Beauty Fashion. Mon bracelet, ça vient de chez Michael Kors. Vous savez que j'adore cette marque. Ici, toujours de chez APM Monaco. Ici, pareil, ma montre, c'est une Cluse que j'avais achetée grâce à ma copine et son rabais, avec l'effet un peu duo comme ça, noir et rose gold. Mes boucles d'oreilles, c'était des boucles d'oreilles puce en diamant que j'avais reçu dans une bougie Jewel Candle à Infinity, mais qui était malheureusement une édition limitée. Et j'aime tellement ce collier. Ça fait comme un... Oui, la corde est revenue. Game of Thrones nous manque tous, on le sait. Et là, c'est comme si vous aviez un piercing en fait. Là, je trouve ça tellement beau parce qu'on voit pas en fait, c'est trop souvent. C'est-à-dire que de long, vous avez l'impression que j'ai juste un petit strass là. Et ça vient si ma mémoire est bonne. En plus, je sais que ma soeur m'a demandé. Après, elle va croire que je veux pas lui dire que pas du tout, vraiment. Je l'ai acheté de Angel Infinity, je crois, mais je vous listerai en barre d'infos si jamais je vais essayer de retrouver. Je vais trouver mon vernis si jamais c'est Uppy Ice en direct, comme ça, parce que c'est un noir. Mais en fait, c'est un gris très foncé, trop joli, qui s'appelle Rub a Pabab. Donc voilà, en Infinite Shine, parce que moi, j'aime pas trop les. Je me suis rendu compte que j'aimais pas trop les vernis Uppy Lambda. Je trouve que c'est pas que je les aime pas, mais c'est qu'ils craquent trop vite. Au bout de, je sais pas, moins 3 jours, ils ont déjà craqué, alors que les Essie que j'utilise, ils craquent après une semaine. Mais les Infinite Shine, ils tiennent une semaine. Donc voilà, maintenant, je préfère les Uppy Infinite Shine, mais j'aime trop, c'est trop joli. Waouh, beautiful. Et ma robe, si jamais, c'est une Mademoiselle Chic. C'est une robe avec des fleurs. Trop jolie, en portefeuille, un peu comme ça. Vous voyez, c'est trop joli. Donc voilà, moi je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. En attendant, prenez soin de vous et n'hésitez pas à faire quoi ? Vous abonner ! Bisous !